Ça va ma poussicat? T'es à contre-jour, ça va pas du tout. Là t'es beau, là t'es très beau garçon. Salut tout le monde! Ce matin je suis au taquet, je suis toute excitée, j'ai reçu... C'est de plus en plus, tant mieux hein. Des propositions de collaboration que j'ai acceptées donc, pour les deux. Il y en a une, je l'ai même finalisée. Site de robes sur mesure, genre robes de soirée, de gala, de demoiselle d'honneur, de cérémonie, bref. Et donc je pouvais en choisir trois. C'est des très très belles robes, donc sur mesure, j'ai pris mes mesures. Enfin, ça prend du temps tout ça, surtout de choisir. J'ai l'impression d'être une gamine et j'ai pas voulu prendre quand même des modèles qui seraient genre pas métables ou métables qu'une fois. J'ai pris... Je me suis fait plaisir sur une robe, hein, genre je peux monter les marches à Cannes. Et les deux autres sont magnifiques aussi, mais peut-être plus facilement mettables pour un événement ou une soirée. Donc ça, c'est le premier partenariat. Et un autre que je suis en train de finaliser, des meubles. C'est cool. Donc il y aura un meuble à choisir, mais un très beau meuble. Je ne sais pas encore si je vais prendre une table basse, ou ils ont des belles consoles aussi. Hyper belle, ou, et là j'en ai vraiment besoin et elle est très belle, bibliothèque pour mettre en fond dans mon bureau. Donc voilà, je suis toute excitée. Après, donc hier vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo parce que hier j'étais pas en mesure de tourner, ça arrive, sans rentrer dans les détails, et du coup je reporte. Je pense aujourd'hui, je dis je pense que je vois le temps, il n'est pas terrible, pour faire ma création que je vous montrerai très certainement. Je ne sais pas encore si je l'insérerai dans cette vidéo, vous verrez de toute façon en fonction du titre. Aller dans le bureau de ma maman, aller dans le jardin et faire ma création avec la bombe. Mais pour l'heure, Eric est rentré là, du boulot, et je vais aller manger. Attention, ce midi, je vais me faire de la gastronomie. César, salade, poulet. Elles sont super bonnes, c'est les salades jarres. D'ailleurs, je les garde pour faire des petites créations, c'est pratique. Changement de programme. Il y a un truc qui m'a mis dans un état. Du coup, je vais vous tourner une vidéo. De toute façon, vous comprendrez vite. Je pense que vous l'aurez vu hier. Comme si c'était le moment. C'est trop. Voilà, donc cette vidéo, je vous reprends à bout de bras, j'ai laissé ma perche là-haut. Vous entendez? Toujours les travaux. Ça n'arrête pas. Bon bref, d'ailleurs, on l'entend. Je viens de terminer, il va falloir que je range tout. Ah, les cheveux, il va falloir que je range tout. Et vu l'heure, je vais peut-être reporter à demain. C'est pas grave pour ce que je vous ai dit là, d'aller chez ma maman et tout. C'est pas grave. Est-ce que je vais pouvoir compter sur ton aide, mon Jack? Pour tout ranger. Peut-être, on ne sait pas. Inutile de vous préciser qu'on vient de rentrer de notre marche. Je ne vous l'ai pas montré, je ne vais pas vous montrer à chaque fois. Quand je ferai des trucs un peu sympas, qui changent, oui, mais voilà, on a fait un petit peu moins long aujourd'hui. Parce qu'Eric, à 7h30, il doit aller quelque part. Ça ferait tout juste. Mais on s'en fout. Tant que ça fait monter le cardio et que t'as fait quand même un truc physique dans la journée, c'est bien. J'en profite. Hein. Je viens de donner les croquettes à Jackie. Forcément, c'est là. Il y a de fortes chances que je combine ce vlog. Hein, vu que j'étais pas dans l'optique. Enfin bon, bref. Ça, c'était pas prévu que je tourne aujourd'hui l'autre vidéo. Ouais, je vais peut-être combiner avec... Pardon. Avec celle de demain. Je vous retrouve bien plus tard dans la soirée. J'avais plein de trucs à faire, à finaliser, des mails, bref. Il est 22h45, je suis en train de regarder ma petite série, c'est fort bien, sur Netflix. Et le mieux, vu que là dans cette journée il n'y a pas eu grand chose, et eh bien je vais enchaîner sur la journée de demain. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve comme prévu. Attendez, parce que là j'ai peur pour le vent moi. Et là on était en hésitation, enfin j'étais en hésitation sur le choix de la couleur du bombé. J'ai enfin choisi, je pense que j'ai pris celui qui sera le plus adapté par rapport à ce que je veux faire d'autre. C'est-à-dire que cette création, bah vous le verrez, hein, vous le verrez juste là, je ne vais pas faire une vidéo dédiée. Je pense que c'est mieux. Tu m'invites, Smilly? Vraiment? Non, mais on va décaler
dès l'instant où tu dépasses le... Là, on n'est pas bien, là? Genre ici? Faut pas que tu t'en prennes plein la couille. Non, je sais, faut pas que je respire le truc. Ouais, j'hésitais, donc soit en faisant noir, gold, et en fait, bah, ça va être rose ballerine. Je l'aime tellement, et puis c'est vrai que ça se marie beaucoup plus déjà à la maison, et puis si tu veux faire des trucs après décoratifs. Ce qui va être le cas d'ailleurs. C'est bon? Ça risque de dépasser quand même. Hein. Au niveau du bombé, je pense que ta pelouse, elle va manger quand même. Hein. Voilà, comme ça c'est mieux, on a dédoublé et elle va me chercher un mouchoir. Ça te va ça? Oui, c'est parfait. Ça va être le... Ça va être la... Comment ça s'appelle? La miniature. Par contre, je sais pas combien de temps il faut le laisser, la première couche. Parce que c'est pas encore assez intense, hein, je trouve, au niveau du rose. C'est joli quand même. C'est sobre. Je vais me rincer la bouche, j'ai l'impression que j'en ai un peu de particules. C'est quoi ta tarte? Elle a l'air bonne. Saumon. Saumon, et puis t'as mis quoi? Ah, attends. Estragon, voilà, c'est ça. Ça a l'air très bon. Tu me connais. J'adore les lentilles. Surtout, froide. Oh, cool. Je suis rentrée. Je suis toute décoiffée, il y avait un de ces vents. Je traîne pas et je continue la suite de ma petite création. J'ai laissé la fenêtre ouverte hein, parce que ça sent quand même assez fort. Mais ouais, là j'ai encore des doutes, Mais bon, ça va le faire. Ça, le grillage à poule, faut que je fasse hyper gaffe parce qu'à travers, ça pique déjà. Je vais quand même protéger avec un sac parce que comme je vais le retourner, c'est peut-être pas totalement sec. Alors... un peu chiant, faut te payer tout le tour. J'ai coupé tous les bouts qui dépassaient. Est-ce que vous êtes prêts pour le flop? Il y a un truc que j'avais pas pensé. Ah oui, il y a tous les clous. Tout a dépassé. Voilà. C'est pas grave, je ne m'avoue pas vaincue, je vais trouver une solution. Déjà, il faudra que je rabatte tout et puis je vais composer. J'ai dans l'idée pour rectifier mes bêtises, soit de mettre tout autour. De toute façon, il faudra que je mette quelque chose, soit du washi tape, soit ça, ce genre de dentelle. Parce que après, j'ai d'autres trucs hein, pour décorer, mais je suis pas sûre de mon coup. Non. Oh non, kitsch. Je sais pas, j'hésite encore. Je viens de faire pas mal de tests et c'est vrai que c'est pas évident, mais j'aime bien en fait, je pense que ça peut le faire comme ça avec celui-ci. J'ai coupé l'angle comme ça, parce que ce sera plus joli pour après repartir. Je vais rajouter ça en fond, ce papier peint. Je me suis mis un bout de ferraille dans le doigt là avec ça. Ah, je suis pas contente. Bon, je sais même pas si je vous ai dit qu'à la base, je voulais faire soit un porte-photo avec des petites cartes jolies ou un porte-bijoux. Et en l'occurrence, plutôt des boucles d'oreilles. Voilà en gros ce que ça donne. J'ai mis un petit bouquet là de fleurs. Ça rend bien avec la tapisserie du dos. Alors, est-ce que ça va tenir? Parce que je vous dis, c'est un peu, expérimental. Mais on peut mettre également des photos. Enfin, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, là où je suis plutôt contente de moi, c'est que j'ai eu le nez fin de pas faire une vidéo dédiée. Parce que j'aurais eu des boules. Le fait de l'inclure, je trouve, dans le vlog, ça passe. Ça passe plutôt pas mal. Je me suis peut-être chopé le tétanos au passage. Pour résumer, c'est pas le DIY du siècle. Je pense que je vous ai habitué à mieux. Mais c'est pas grave. Parfois, tu te plantes et puis tu recommences. Je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Donc, vous pouvez me laisser tous les messages que vous voulez. Je l'aurais mérité. Et puis, on se dit à très vite. Très certainement demain, je pense. À moins que... Tétanos, quoi. Bon, je vous embrasse. Salut!